Masqué. Non, d'une grenouille, il se passe des choses étranges à l'école des princesses. Une enquête mouvementée. Attends notre détective. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? s'exclama le prince masqué en renversant son bol de café au lait. Le célèbre détective s'empara. Du journal posé sur la table. De son petit déjeuner et le col contre son nez pour réduire l'article qu'il venait de parcourir distraitement. La couronne libérée. Jeudi 25 septembre. Panique à l'école des princesses. Depuis la rentrée, des phénomènes étranges sèment le trouble à l'école des princesses. Les cours sont perturbés par des farces de très mauvais goût voyageurs voyageur voltigeuses voltigeuse apparitions diverses je ne peux plus travailler dans ces conditions confie mademoiselle Belépi l'instructrice à notre envoyé spécial il faut absolument que je me rende sur les lieux marmonna le prince masqué. il se leva d'un bond pour rassembler quelques affaires dans son sac puis il descendit à l'écurie chercher astuce. » son fidèle d'estrier. Lorsque le prince arriva à l'école deux heures plus tard, les cours avaient commencé, mais le jeune homme comprit très vite que quelque chose clochait. Depuis le portail, on entendait des cris qui provenaient de la salle des classes. Le prince masqué attacha Astuce aux plantes qui se trouvaient dans la cour. Puis il frappa à la porte de la classe. Personne ne répondit, et il dut tambouriner plus fort. Pem pem pem. Enfin la porte s'ouvrit et une dizaine de choses vertes et gluantes lui sautèrent dessus, s'écollant à son visage, à ses bras, à ses jambes. Le prince ne put réprimer un cri et recula de trois pas. Mademoiselle Bellépie apparut dans l'encadrement de la porte. Oh. Je suis désolé, prince masqué. Vous arrivez au mauvais moment. Enquêta t-elle en pleine invasion de grenouilles. Elle avait elle même plusieurs rainettes dans les cheveux et paraissait complètement épuisée. Dans la classe règne un désordre indescriptible. Les princesses, montées sur leurs pupitres, regardaient en hurlant des centaines de grenouilles vertes qui sautaient sur le sol, sortaient des cartables, ou courait sur les étagères. « Au contraire, mademoiselle Bellepi, j'arrive juste quand il faut, » répondit le prince en entrant dans la classe. Il alla rapidement ouvrir les fenêtres et cria, « Je vous prie d'évacuer la salle, mademoiselle. Je vais chasser ces grenouilles. » Le prince masquait heure pour se débarrasser des grenouilles. Lorsqu'il ressortit de la salle des classes, il était rouge de sueur. Et sa cape était couverte de traces gléantes. Il retrouva la maîtresse qui surveillait les princesses dans la cour. Dites-moi, c'est tous les jours comme cela? demanda-t-il en brossant ses habits. Hélas, j'ai mis Mademoiselle Bellépie. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Rien que toute la journée d'hier, mes crêpes se sont changées en grosses limaces blanches. Les rideaux de la classe se sont transformés en fantômes qui faisaient houhou houhou. ,hou. Et mon bureau a fait une riade lorsque j'ai voulu m'en approcher. Le prince masqué s'est aperçu alors que la lèvre inférieure de l'institutrice tremblait légèrement. Elle semblait à bout de nerfs. Qui surveille les allées venues? Dans votre école, demanda-t-il, le père Maillet, notre concierge, dit la maîtresse. Si vous souhaitez le rencontrer, vous le trouverez dans sa loge. C'était un petit homme au teint grisâtre qui semblait très consciencieux. Il refermait méticuleusement le portail de l'école tous les soirs et n'aurait jamais laissé entrer une personne ayant un comportement louche. Il dort dans l'école, en plus des élèves, demanda le jeune détective. Le père Maillet répondit :« Nous sommes trois, Messire Bellefond, le bibliothécaire, Mademoiselle Belépi et moi-même. Il sortit un gros trousseau de clés de sa poche. Voici de quoi ouvrir toutes les portes de l'établissement. C'est là où sera peut-être utile si vous souhaitez relever des indices. Le prince Masqué passa le reste de la matinée à inspecter tous les recoins de l'école. Il était à quatre pattes, en train d'essayer de relever les empreintes dans un couloir, lorsqu'une petite voix le fit sursauter. Bonjour, prince Masqué. Le jeune homme se releva et remit rapidement sa frange en place. Deux princesses se tenaient devant lui et lui regardaient un sourire jusqu'aux oreilles celle qui semblait la plus ardue fille en pas en avant. Je m'appelle Marie émilie et voici Sophie Charlotte. Sophie Charlotte fit une petite révérence pour saluer le prince. Enchantée, mesdemoiselles, répondit le jeune homme. Dites nous, reprit Marie Amélie, c'est vrai tout ce que nous raconte sur vous? À quel propos vous avez réellement retrouvé le voleur? De la baignoire de la fée Morgane, le prince masque sourit. Cette enquête l'avait entraîné au pays des géants. L'un d'eux avait en effet dérobé la baignoire, un cristal et des diamants pour l'utiliser comme prince doigt. Les yeux de Marie-Amélie s'arrondirent. Alors, vous l'avez vu? Qui? La fée Morgane. Elle est aussi belle qu'on lui dit. Et sa robe a réellement la couleur de la lune, souffla Sophie Charlotte. Le prince masqué prit quelques minutes pour répondre aux questions des princesses. Avant de les quitter, il leur demanda si elle n'avait pas des informations à lui fournir pour faire avancer son enquête. Non, rien, lança Marie Amélie avec aplomb. Sophie Charlotte la regarda d'un air hésitant l'ombre au fond du jardin quelle ombre demanda vivement le jeune homme oh ça ne vous intéresse sans doute pas lança marie amélie en faisant mine de partir au contraire s'exclama le prince masqué sophie charlotte poursuivit tous les soirs à vingt-trois heures une ombre se promène à côté du grand chêne on peut la voir passer depuis notre dortoir le prince masqué, interloqué, regarda les deux filles. Pourquoi mademoiselle Bélépie n'était elle pas au courant de cela? Marie Amélie fit une petite moue. C'est que, à cette heure là, nous sommes censés dormir. En début d'après midi, le prince masqué alla se promener du côté du grand chêne. Soudain, il s'arrêta au milieu de la pelouse. Nom d'une écaille, des dragons lâcha t-il, en regardant le sol, des mandragores, et elles ont été fraîchement arrosées. Il inspecta soigneusement les alentours avant de filer vers l'écurie. Comme à chaque fois qu'il découvre un indice capital, il avait besoin de faire un point avec astuce. Tu te rends compte de véritables mandragores? Le cheval écouta attentivement en mâchonnant un brin d'avoine. Tu sais, comme moi, que ces plantes sont très utilisées par les sorciers, reprit le prince. Au comble de l'excitation, il me suffira de me cacher cette nuit dans le jardin pour démasquer le coupable. Heureusement que Sophie Charlotte n'a pas gardé son secret. Astuce bougea ses oreilles comme pour chasser une mouche. Son maître tenait là « Une piste sérieuse !» En sortant de l'écurie, le prince masqué, croise à mademoiselle Bélébi qui se dirigeait vers l'infirmerie. « Les cours sont déjà finis, C'est un jeune homme. Nous avons dû interrompre la leçon de géographie des royaumes, » répondit la maîtresse, totalement désemparée. Les princesses ont contacté une maladie fulgurante en début d'après-midi. D'horribles pustules mauves sont apparues sur leur corps. Pauvre jeune fille, vous les verriez. En plus, elle ne cesse de se gratter. Le prince lui fit un sourire rassurant. Ne perdez pas courage, mademoiselle. Quelque chose me dit que le coupable sera démasqué ce soir même, avant minuit. Le détective passa une bonne partie de la soirée au fond du jardin, accroupi sous une grosse feuille de rhubarbe lorsque onze heures sonnèrent au clocher du village le prince masqué tressaillit une silhouette longue et mince s'avançait dans la prénombre l'ombre s'arrêta au pied du grand chêne et se pencha pour recueillir les mandragores le prince bondit hors de sa cachette et sauta sur l'individu celui-ci surpris Tomba à la renverse en hurlant. Qui êtes-vous? cria le prince masqué en maintenant. Son adversaire plaqué au sol. L'homme balbutia. Je suis messieurs Bellefond, le bibliothécaire. Le jeune enquêteur a entrepris de fouiller messire Belfond. Mais dans ses poches, il ne trouva qu'un livre. La princesse au petit bois « Vous pourriez me lâcher? J'ai mis le bibliothécaire. Vous me faites mal, pas avant de savoir ce que vous alliez faire avec ces mandragores. Le bibliothécaire a paru soudain gêné, c'est que c'est un peu délicat, commença-t-il. Ils s'assirent sur l'herbe, et Messire Belfon raconta au prince qu'il était amoureux de Mademoiselle Bellepi depuis de nombreuses années. Mais comme celle-ci ne semblait jamais le remarquer, il essayait de fabriquer un filtre d'amour. Le détective demanda, Et comment vous êtes-vous procuré la recette du filtre? Je l'ai trouvé dans un livre de magie qui a été oublié sur mon bureau. Zut, murmura le prince. Visiblement déçu, qui a bien pu poser ce livre sur votre? Le jeune détective n'est pas le temps de terminer sa phrase. Un bruit de chute d'eau venait de retentir au fond de la cour. Les deux hommes se précipitèrent vers l'école et s'arrêtèrent devant la tour nord. L'escalier de la tour s'est transformé en torrent. S'exclama le prince. Le préau va être inondé. Le lendemain matin, le prince masqué avec qu'il chasser un voleur dans un marécage quand des grognements sonores les réveillèrent en sursaut. Going, going. Il ouvrit un oeil et poussa un hurlement. Juste au dessus de lui, un cochon aux petits yeux curieux le reniflait, avec son going Il debout. Il fallut quelques minutes au jeune homme pour reconstituer les événements de l'année. Il avait coupé l'eau du préau jusqu'à épuisement et s'était endormi sur place. Mademoiselle Bellépie lui annonça d'une voix éteinte. J'ai pris la décision de fermer l'école. Les carrosses des ramassages scolaires viendront chercher les princesses demain à midi. Pour l'instant, elles sont toutes restées au lit à cause de leurs bustules. L'institutrice regarda. Le prince, masqué d'un air résigné, et ajouta. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de poursuivre votre enquête. Hélas. Je crois que vous avez raison, répondit le jeune homme. Il se dirigea vers l'écurie, la tête basse, pour chercher Astis, et rentrer chez lui. Tout ce qu'il avait réussi à faire, c'était suivre une fausse piste. Quel piètre résultat. Le coupable devrait bien se moquer de lui. Mais alors qu'il passait sous une fenêtre du dortoir des princesses, une petite boule mauve et collante attira son attention. Vite, il la ramassa et rebroussa chemin pour en retourner dans la classe. Mademoiselle Bellépie, annonça le prince masqué, j'ai changé d'avis. Je vais rester ici jusqu'à la fermeture de l'école. Comme vous voudrez, dit la maîtresse. Le jeune homme réfléchit quelques secondes et ajouta. Sauriez vous où je pourrais trouver des petits pois? L'institutrice le regarda comme s'il avait perdu la tête. Avant de répondre, vous pourrez en acheter à la ferme d'à côté. Il était huit heures le lendemain matin quand le prince masqué rejoignit mademoiselle Pellépy dans sa salle de classe. Celle ci était en train de préparer sa dernière demi journée de cours. Dire que nous allons fermer l'école soupira t-elle. Heureusement que les pistules des princesses ont disparu pendant la nuit. Je ne me serais pas permis de les renvoyer chez leurs parents dans un tel état. Le prince masqué demanda quel est votre programme pour la matinée. J'ai décidé de ne pas changer nos habitudes. Nous allons commencer par la danse. Pourrais-je assister à ce cours? Sans qui? Le jeune homme. Oui, très bonne idée dit la maîtresse, vous pourrez servir des cavaliers aux princesses. Quelques minutes plus tard, les élèves de Mademoiselle Bellépie arrivèrent une à une, mais elles n'avaient pas l'air en forme. Elles semblaient abattues et la plupart d'entre elles présentaient des bleus aux jambes. Heureusement, Sophie Charlotte releva nettement de niveau. Elle dansa lestement et fit même un saut de biche avant de regagner sa place. Sous les applaudissements de Mademoiselle Bellépi, le prince Masqué posa la main sur l'épaule de la jeune fille. Bravo, mademoiselle, vous avez si bien dansé que vous avez gagné le droit d'être renvoyée de cette école. Sophie Charlotte regarda le prince d'un air, stupéfait, mais il se tourna vers l'institutrice. C'était la coupable, affirma-t-il. Un murmure d'étonnement s'éleva de la salle alors que Sophie Charlotte reculait doucement vers son cartable. Mais le prince s'élança et saisit le sac avant elle. Il plongea une main à l'intérieur et en retira une baguette et un carnet noir. Ne touche pas à mes affaires, hurla Sophie Charlotte. C'est privé. Mais le prince masqué avait déjà ouvert le carnet pour lire à haute voix. Journal de Sophie Charlotte, lundi 3 septembre. Quel plaît de devoir se déguiser. En princesse, j'ai l'impression d'être une grosse perruche avec des dentelles partout. En tout cas, personne ne m'a repéré, même pas la belle épée. Si elle savait que je m'appelle en réalité Sophie Charlotte et que je viens de l'école des six chaudrons. Jeudi 6 septembre, j'ai un tas d'idées pour faire fermer cette école de cruche en jupon. Je vais démarrer à midi à la cantine quand le monde sera réuni. Vendredi 7 septembre, mon coup d'hier a été parfaitement diabolique. Trois princesses se sont évanouies en voyant le boudin qui était dans leurs assiettes se transformer en serpent noir qui crachait de la purée. Mardi en septembre, cet après-midi, je me suis fait plaisir. J'ai changé le nez de cette vantarde de Marie Parquerette en groin de cochon. Ça lui apprendra à se prendre pour Miss Univers. Jeudi 13 septembre, ma maîtresse, la mère Tête Bêche, m'a envoyé. Un corbeau avec un message. Elle a déjà lu quelques-uns de mes exploits dans le journal et elle tenait à me féliciter. Vendredi 14 septembre, je sens que la belle épine ne va pas tenir longtemps. Il suffit de quelques craies changées en limaces et de deux rideaux qui font ou pour qu'elle pique une crise de nerfs. Lundi 25 septembre, mon invasion de grenouilles de ce matin méritait bien un 20 sur 20. Il fallait voir ces cochottes de princesses debout sur les tables et j'y pondre relevé, pousser des cris et faroucher. Le plus drôle est que le prince masqué a débarqué juste au bon moment. Rien à craindre de lui. Il a l'air bien plus efficace pour mener une enquête. Je l'ai déjà lancé sur une fausse piste, et il a mordu à la maison. Le prince masqué referma le carnet d'un coup sec. Un silence de mort régnait dans la salle des classes. Comme vous l'avez sans doute compris, dit il, Sophie Charlotte, ou plutôt Sophie Charlotte, devait provoquer la fermeture de votre établissement pour réussir son examen de sorcière. Sophie Charlotte, quoi la tête furieusement et siffla. « Dire que j'ai passé presque un mois à mettre des jupons qui grattent et à faire des stupides références pour des queues de vipères. » Puis les détectives reprit plus fermement. « Maintenant, je vais te raccompagner à ton école, des six chaudrons. Je veillerai à ce que tu ne mettes plus les pieds ici. » Les princesses sidérées par toute cette histoire se mirent à chuchoter. Mais comment le prince masqué a t-il deviné que c'était la sorcière? Le prince masqué mit la main sur son cœur. Je suis désolée, mesdemoiselles, j'ai dû avoir un recours à un stratagème peu agréable pour vous. Hier soir, j'ai caché un petit pois sous chacun de vos matelas. Voilà pourquoi nous avons si mal dormi, soupira Marie-Amélie. Et pourquoi nos jambes sont couvertes de bleu, ajoutait sa voisine. Le prince masqué conclut. Les authentiques princesses ne peuvent pas fermer l'œil de la nuit lorsqu'un petit pois est mis sous leur matelas. C'est Messire Belfond qui m'a conseillé cette méthode car il venait de relire à la princesse au petit pois mademoiselle belépirosy jusqu'aux oreilles en entendant le nom du bibliothécaire c'est drôle sussira t elle à l'oreille du détective je n'avais jamais vraiment remarqué messire belfond mais il est plein de ressources une heure plus tard le prince masqué passait le portail de l'école en tenant astuce par la bride sophie charlotte se tenait sur le croupe du cheval en se retournant, le prince distingua les silhouettes de l'institutrice et du bibliothécaire qui lui faisaient des signes d'adieu depuis une des fenêtres de l'école. Le jeune homme sourit. Mais Sir bellefont était en train d'atteindre son but sans même avoir recours à son filtre. Le prince masqué murmura. J'ai comme l'impression que toutes ces mésaventures vont déboucher sur une fin heureuse, son destrier rumia joyeusement les oreilles, mais la petite sorcière haussa les épaules et cracha un crapaud sur le sol. Contrairement à Astis, Sophie-Charlotte avait horreur à des histoires qui se terminent bien.